Pour cette première District Mind TV de l'année, nous sommes rendus dans un club centenaire, tout comme le district, le CSAI. C'est Jérôme Mignon, responsable de l'école de foot, accompagné de Serge Thierry, vice-président, qui vont nous présenter le club et ses infrastructures. Donc là, on a les vestiaires pour toutes les équipes. Donc de U6 senior. Ils ont déjà quelques années. Les douches ont été refaites quand même assez récemment. C'est ici qu'on a les locales techniques, tout le matériel, les vestiaires, etc. Au fond, on a exactement pratiquement la même chose, sauf que avec des douches séparées, ce qui peut nous permettre d'accueillir les équipes féminines. On a eu une équipe féminine il y a 4-5 ans. Et puis, on n'a pas réussi à relancer la machine. Donc, c'est le but. On aimerait, dans les années à venir, continuer, relancer, essayer de créer des équipes de filles au sein du club. On va aller voir le clubhouse. On a pour projet, là, cette année, de développer des stages de foot pour les vacances. Donc, ça va être une salle qui va nous permettre d'accueillir les jeunes sur les temps des repas. Et puis, de faire des autres activités hors football, des activités citoyennes, des activités sur le développement éducatif. Donc on fera ça un peu plus en salle, ça sera plus sympa. La médaille de Vermeer, obtenue par Serge, qui est depuis... cette année. Non, l'année dernière. Ouais. Tu es au club depuis quelle année, Serge? Oh, il y a 35 ans que je suis. 35 ans. Ouais. Ah, j'étais joueur avant, je suis parti à Ouari, je suis parti à Fieri et je suis revenu à Ici. Donc Serge, c'est vraiment l'âme du club, c'est celui qui tient le clubhouse tous les soirs entraînement, qui est tout le temps là les dimanches pour faire les sandwichs, pour faire les maillots, laver les maillots des gamins. Alors maintenant, il a un petit peu d'aide, il a quand même pas mal de soutien, mais en gros, il fait 80% du travail du club, c'est lui. Il fait les courses, il lave les maillots. Il aide beaucoup, il fait beaucoup, beaucoup pour le club. On a une équipe U6, U7, donc que des petits qu'on a eu cette année, donc ils n'ont pas fait la première phase pour commencer à apprendre tranquillement. Et puis du coup, on va participer à la deuxième phase. On a deux équipes, on a réussi à monter une deuxième équipe 8-9, avec des nouveaux éducateurs diplômés depuis... une Aurélie cette année et Wilfried l'année dernière. Donc c'est des parents qui voulaient donner un coup de main et puis au final, maintenant, c'est des éducateurs diplômés qui sont très investis dans le club. Après, on a une équipe U10, U11, U12, U13, U14, U15. J'ai intégré le club CSAI cette année officiellement. Pourquoi? Parce que mon fils jouait l'année dernière. Naturellement, ils m'ont proposé d'intégrer le club, ce que j'ai apprécié tout de suite. Et j'ai tout de suite commencé l'année dernière tranquillement à accompagner. Et puis cette année, officiellement, j'entraîne les U8, U9. Pourquoi j'ai aussi accepté? Parce que Wilfried, Jérôme et puis tout le club en fait, sont des personnes bienveillantes qui font respecter les valeurs du sport, humaines aussi, parce que... On se retrouve tous dans la même éducation, on a tous à peu près le même âge aussi, donc on est tous parents, on fait attention chacun des enfants, mais pas forcément que le sien aussi. Et on essaye de faire en sorte que ça dure longtemps, puis les gamins nous le rendent bien. La belle école de foot, il y a quelques années déjà. Et puis le but maintenant, c'est d'essayer d'obtenir la belle école de jeunes, qui est beaucoup plus difficile à avoir. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, à essayer de développer petit à petit le club avec tous les critères qui sont présentés dans le label. La commission technique du district Marne a organisé durant ce dernier mois 2 phases finales départementales de détection. La première pour les U14 à Épernay, où 28 joueurs étaient présents, avec en ligne de mire le premier tour régional qui aura lieu le 23 mars. Et la deuxième pour les U12 et U13 féminines à Murigny, avec comme objectif pour les meilleurs U13 d'intégrer la phase régionale et également de sélectionner la future équipe départementale dans ces catégories. Retour en images.
if it's getting too hard for you to keep running. Baby, take a minute, slow down, slow down. Alors aujourd'hui on se retrouve à Tessy pour la finale futsal jeune, des U13 jusqu'à U18 en passant également par les féminines. Alors c'est quand même une première de proposer cette pratique associée du futsal et on est très content de travailler avec le club de Tessy quant à la bonne organisation de cette journée avec 26 équipes présentes tout au long de la matinée jusqu'à ce soir. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de positif de voir les clubs s'inscrire dans cette démarche. Alors on a commencé ce matin avec 10 équipes U13, on a enchaîné sur le temps du midi avec les équipes féminines, deux équipes U15F et deux équipes U13F. Et là on termine l'après-midi avec 6 équipes U14 qui se sont affrontées. Deux équipes U18 et une finale à 4 pour la catégorie U16. Donc 26 équipes au total. Ouais, la victoire elle est encore plus belle, justement parce qu'il y a un bon effectif, il y a un mélange de la A, de la B. Aujourd'hui j'étais venu pour donner de l'expérience, engranger de l'expérience aux gamins. La bonne surprise c'est d'arriver à la première place aujourd'hui. Et puis, tout ça, c'est grâce à eux, quoi. À leur écoute, à leur application, et puis au voleur qu'ils nous donnent. Donc effectivement, je suis là aussi pour vous parler d'un moment important pour notre association qui est le District de Marne de football, qui est donc le centenaire pour cette année 2022. Donc le District de Marne, qui est une émanation de la Fédération française de football, a été créé le 18 juin 1922 à Reims, et dans un café, enfin un bar, une brasserie, enfin, peu importe, le Louis XVI. Voilà. Et le premier président a été Marcel Simonin, hein, qu'on doit saluer pour avoir eu l'audace de créer ça et puis avoir été président pendant de très très nombreuses années. Alors pour pouvoir mener à bien une opération comme ça, on a décidé de mettre en place un groupe de travail conduit par Gérard Casgrain, qui était mon prédécesseur à la présidence du district. Voilà. Et donc le groupe est constitué, le groupe travaille. Il y a un certain nombre de réunions qui ont bien sûr déjà été conduites. Et il y a surtout eu beaucoup d'éditos de l'histoire du foot. On en est au 18e numéro, je crois, fait par Gérard et son équipe. Et donc, toutes les semaines, tous les vendredis, on diffuse, nous, sur notre site Facebook, on diffuse un numéro de cette histoire du foot. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Beaucoup de détails, on n'imagine pas quelle a été la vie du football de sa création jusqu'à maintenant, pendant une centaine d'années. Alors bien sûr, au-delà des éditos et de l'histoire du foot, peut-être d'ailleurs à un moment on la réunira cette histoire, pourquoi pas dans un livre qu'on pourra communiquer, on va mener un certain nombre d'actions autour du centenaire, parce que c'est important pour nous que de fêter ça, de reconnaître, et puis c'est aussi un devoir de mémoire vis-à-vis de nos anciens. Donc voilà, c'est extrêmement important. Donc on aura plusieurs actions sur lesquelles il y aura un petit peu une focale sur le centenaire. Notamment, je pense au 26 mars sur le à Épernay, hein, un gros rendez-vous sur le festival U13. Et puis on fera la même chose, peut-être encore un peu plus grand, avec les JND, où on espère avoir 4 journées au Stade de l'Aune fin mai. Et on essaiera de faire aussi là, bien sûr, on va fêter le centenaire, on va inviter un maximum de personnes à le faire avec nous, et puis on va essayer de retracer cette histoire par un petit parcours initiatique, enfin je ne sais pas comment on le fera, mais de ce centenaire. Et puis on aura un troisième gros rendez-vous, je pense,
ce sera la foire de Chalon, puisqu'on va aussi aller à la foire de Chalon, et on fera aussi quelque chose autour du centenaire, peut-être table ronde, mais bien sûr une expo. Bon voilà, donc on va marquer notre année sportive et année civile par ce centenaire qu'on se doit effectivement de mettre en lumière. Alors, Champagne Parc Auto, c'est une société locale qui existe depuis 1976, qui gère les parcs de stationnement de la ville, enfin, qui sont situés sur la ville de Reims, et puis les fameux zébulots, les fameux vélos libre-service. Eric donc, est venu me solliciter en demandant si j'avais la possibilité d'aider le district. Et ben, ça correspond bien à nos valeurs de la société, donc travailler avec le local et puis travailler sur des valeurs de respect, d'éducation. Et je pense que le foot, ces valeurs-là reprennent un petit peu la position qu'elles avaient il y a quelques années, et c'est pas plus mal. Notre responsable du partenariat, Eric, a contacté Monsieur Guinaud, hein, qui est directeur de Champagne Parc Auto, et qui très rapidement a acquiescé pour venir nous aider, apporter donc quelques moyens complémentaires qui iront directement vers les clubs et notamment vers les groupes de D1 et de D2 pour notre partie football. Donc voilà, nous c'est important parce que c'est un partage de valeurs, on vient d'en discuter entre Champagne Parc Auto et le district, et manifestement voilà, on sent que le discours est à peu près uniforme en ce qui nous concerne. La District Main TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.